Good morgen, allez, Idan et Nessus aujourd'hui, il est le Nishmat Richard Aaron Ben Fortuné Mazal, Claude Itzrak Ben Fortuné Mazal, Sarah Bat Ita, ainsi que l'enfant, Tranal Abad Gedel Deborah Sarah Bat Nechama et Fat Bat Sarah Bator Shakol Israël, si vous souhaitez, vous aussi. Je dirai une prochaine étude de Mishnah contre 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Shkalim, Perek Dalet, Mishnah Vav, Hamagdish Nechasav, Vayu Bahen Dvarim, Reouin le Korbanot, Tzibur, Inatnu la Umanim Bisharan, Diru Rabbi Akiva. Amarlo ben Azaï, en aïe amida, el mafrishin mehen schar haoumanin, ou mechalelin otan almaot haoumanin, venodim otam laoumanin mischaran, de chosrin ou lekrin otan mitroma chadasha. Même principe que la Mishnah précédente, avec à présent on va découvrir une nouvelle discussion. Je traduis directement, et au lieu de reprendre la Mishnah précédente, ce sera exactement les mêmes notions. On parle de celui qui est Magdish Nechassav, il sanctifie tous ses biens. C'était fréquent à l'époque. Quelqu'un qui a été sauvé de je sais pas quoi, il a, pour X ou Y raison, il a voulu. Il donne tout à Hachem. Il donne tout au Bet HaMikdash. Il est Magdish Nechassav, il sanctifie tous ses biens. Tout ce que j'ai, ça appartient au Bet HaMikdash. Vayu Ba'en, maintenant. Donc, parmi tout ce qu'il a sanctifié, donc il y avait ses livres, il y avait un stender, il y avait. Il y a des halakhot dans ma Maserhet Erechin, qu'est-ce qu'on fait exactement, qu'est-ce qu'on lui laisse, qu'est-ce qu'on... Et il y avait aussi dedans des vayu ben dvarim reouin le korbanot tzibur. Il y avait aussi des choses qui étaient aptes à devenir des korbanot tzibur, à monter sur le misbéach. C'est-à-dire, par exemple, cas très simple, il avait chez lui soit de la ktoret, de l'encens, il avait des yenot, shmanim, saltot, il avait des semoules, il avait des huiles d'olive, il avait du vin... Tout ça, ce sont des choses que, selon le korban qu'on fait au Beth Amikdash, on doit les apporter. Veniskem, Chatsiaïn, Revitaïn, Shlishitaïn, Revitaïn. On doit apporter des toutes sortes d'oblations. Maintenant, alors là, attention, ça se passe comme ça. Quelqu'un qui sanctifie au Beth Amikdash, sans préciser à quelle destination, il y a plusieurs caisses au Beth Amikdash. Il y a la caisse générale, ce qu'on appelle le Bedek Abaït, que pour entretenir toute la ville, toutes les failles des murailles, pour entretenir, d'accord, l'argent, la gestion de la ville, d'Yerushalayim, qui est Kadosh. Et à part ça, on peut aussi choisir une destination beaucoup plus précise, qui est pour les korbanot. Alors là, la Mishnah se fonde sur une notion qui Stam Hekdesh, le Bedek Habayit. Quelqu'un qui dit « je sanctifie tous mes biens », alors il n'a pas l'intention d'en faire des korbanot. Il a l'intention de l'offrir à la caisse du Bet HaMikdash. À la caisse du Bet HaMikdash, oui, mais qui gère toute la ville, le Bet HaKabayit. D'accord, l'entretien de la ville. Donc ça, c'est son intention. Maintenant, malgré tout, il y a une halakha que, puisque malgré tout, il y a des choses qui sont aptes à monter au Misbéach, alors il faudra les prendre et les utiliser pour le Misbéach. D'accord, on en reparlera encore, même encore plus dans le Mishnah, dans la prochaine Mishnah. Pour le moment, on va se concentrer sur quelque chose de très particulier, qui est d'ailleurs la transition entre la Mishnah précédente et le fait qu'on va ouvrir un nouveau sujet. C'est s'il y avait dedans des choses qui sont aptes à devenir des korbanot tzibur, à en faire des korbanes publics. Donc maintenant, je reprends la scène. Je sanctifiais tous mes biens, j'avais des huiles d'olive, de l'huile d'olive et du vin même. Ça, c'est apte à en faire des korbanot tzibur, des biens publics, des korbanot, des sacrifices publics. Sauf qu'attention, vous rappelez le problème. Un sacrifice public, ça ne peut pas venir d'un personnel. Ça doit venir de la caisse de tout l'âme d'Israël, que donc la Tourmat Hanechka, qu'on la paye avec ça. Alors maintenant, on est un petit peu en problème. Il y a cette huile que j'ai sanctifiée, qui est apte à devenir un Korban Tzibour, mais qu'en l'état, il ne peut pas devenir Korban Tzibour. Ce qu'il va falloir faire, c'est très simple. Je vous explique la notion, après on va voir comment concrètement on va la traduire. Puisque sa valeur, la bouteille d'huile d'olive, elle coûte 30 shekels, donc... Ça, c'est d'un côté, pour la valeur elle-même, je l'ai sanctifié pour le Bedek HaBayit, pour la caisse du Beth Amikdash. L'huile d'olive elle-même, il va falloir monter sur le Misbéach, c'est une autre destination. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va se débrouiller, le principe théorique, il est de se débrouiller de l'argent. 30 shekels, on va dire, bah, la Kdoucha, d'ici, je la transfère ici. Je fais transférer la Kdoucha maintenant, de la contre-valeur, sur les 30 shekels. Avec ces 30 shekels, je les mets dans ma caisse. Du Beth Amikdash, du Beth HaKabayit, pour la gestion de la ville. Et maintenant, cette huile qui est devenue maintenant profane, alors on va prendre maintenant,
mais puisqu'elle a été sanctifiée, alors il va falloir l'utiliser pour faire un korban. On va prendre l'argent maintenant de la caisse de la Trouma Talishka, là où on a pris l'argent pour les korbanot publics, et puis on va la racheter avec ça. Ça, c'est le principe. Un peu plus compliqué, c'est qu'il va falloir trouver une personne pour l'acheter. Alors c'est là où ça arrive, où arrive la Mishnah. L'idée générale, elle va être de faire la même chose qu'on a vu dans la Mishnah précédente avec l'excédent de Ktoret, vous vous rappelez? Alors on a deux solutions. Il y a Rabbi Akiva qui nous propose une solution différente de ce qu'on a vu là-haut, une solution beaucoup plus simple en fait. On va partir voir des gens qui ont travaillé pour le Beit HaMikdash, et il y en avait des gens qui travaillaient pour le Beit HaMikdash. Et en l'occurrence, il y avait toutes sortes d'entretiens de la ville, d'entretiens du Beit HaMikdash, il y avait... Donc il y avait des gens à payer, il y avait même des maçons du pour le Beit HaMikdash, pour entretenir, pour... il y avait des peintres, il y avait... D'accord, c'était une ville entière, Yerushalayim. Et la trésorerie du Yerushalayim, elle avait plein de choses à gérer, donc on va partir voir, on va dire, ah toi, on te doit de l'argent maintenant, on te doit combien? Allez, pour travailler une heure que tu as travaillé, on te doit 30 shekels. Tiens, on te paye avec cette bouteille. Maintenant, il a reçu une bouteille qui coûte 30 shekels pour son travail, la bouteille, elle est devenue... profane. Il s'avère que maintenant la caisse du Beit HaMikdash, la trésorerie du Beit HaMikdash, elle a évité une dépense de 30 shekels, donc ça s'avère que ça a été transféré, et l'huile, elle est devenue profane. Ensuite, on va repart maintenant dans l'autre caisse de la Trouma Talishka, avec laquelle on achète la korbanot, on lui dit maintenant tu veux bien me vendre ta bouteille d'huile à 30 shekels, prends 30 shekels et il me la redonne. Et comme ça, il se retrouve que l'huile a gagné 30 shekels, mon huile, elle va monter sur le misbar avec en venant de la caisse commune des korbanot. Et la contre-valeur, c'est finalement arriver dans la caisse de la trésorerie du Beit HaKavayit. On a tout gagné. C'est la vie de Rabbi Akiva. Regardez, on fait ça dans les mots. Donc on a dit « Magdish nechassav vayu ba'en dvarim re'uim le korbanot si'at zibur » Celui qui a sanctifié tous ses biens, et il y avait dedans des choses qui étaient aptes à monter en korban public. Alors « Inatnu la kohan la'umanim bisraran » Tu donneras ces choses-là aux artisans pour leur salaire qu'on leur doit, parce qu'ils ont travaillé, il faut qu'on les paye. Après, il t'explique la suite, comprend tout seul. Et après, donc, l'huile, elle est devenue profane, et puis tu vas venir la racheter avec l'argent public. L'argent de la caisse des corbanotes publics. Divrei Rabbi Akiva. C'est la veille de Rabbi Akiva. Mais pour pouvoir procéder ainsi, c'est pas comme ce qu'on avait avec l'actorette. Si vous vous rappelez, avec l'actorette, on avait fait quelque chose d'un petit peu plus délicat. On n'a pas pris l'actorette, on l'a donné directement en salaire au manim. On avait plutôt pris de l'argent de la Trouma Talishka, avec laquelle on devait faire la korbanot, qui était censé être le salaire des Kohanim. Et maintenant, sur cet argent-là, on transférait la Kdusha de la Ktoret sur cet argent, et on donnait la Ktoret aux artisans, et après on prenait de l'argent de la nouvelle Trouma Talishka, on venait, on va la racheter avec cette histoire. On venait la racheter avec ce nouvel argent, et comme ça on avait la Ktoret. C'est ça le procédé, et là, on a Ben Azaï qui va nous dire qu'il faut procéder de la sorte de nouveau. Et pourquoi Ben Azaï n'est pas d'accord? Alors regardez d'abord, on va faire Ben Azaï dans les mots d'abord. Amarlo Ben Azaï, le rétorqué Ben Azaï, Enaï Amida, c'est pas une bonne manière de procéder. Il précise pas pourquoi. Mais on va expliquer pas après. D'abord je traduis, Elama Feshin Mensra Romanim, il faut pas procéder de la sorte. Tu vas pas donner cette bouteille d'huile d'olive au Oumanim, non. Tu vas d'abord prendre de la caisse du Beit HaKavayit, tu vas prendre l'argent que tu dois au manim, la contre-valeur de 30 shekels, tu ne donnes pas la bouteille directement, tu prends d'abord 30 shekels de la caisse avec laquelle tu es censé payer le manim, si c'est la caisse du Beit HaKavayit, ou si c'est la caisse de la Trouma Talishka, selon le travail qu'ils ont fait. Tu vas prendre donc ces 30 shekels, et après, une fois que tu as prélevé les 30 shekels, donc ça c'est de l'argent qui est apte à devenir maintenant profane, parce que c'est leur salaire, on va leur faire acquérir par une tierce personne. Hop, c'est devenu son argent. Maintenant, on va prendre la bouteille, on va dire « Ah, 30 shekels, 30 shekels, je rachète la Kdusha, je prends ensuite la bouteille, je la donne en guise de salaire, je reprends l'argent de la Koupa et je rachète cette bouteille pour l'utiliser. » Comme on a vu dans la torette, et regardez comment ça se lit. « Enaï Amida, c'est pas la bonne manière de procéder, on n'a pas encore expliqué pourquoi c'est pas la bonne manière de procéder, ce qu'elle a dit Rabbi Akiva. » Et la mafrichine mensra omanim. On va d'abord prélever depuis la caisse le salaire des employés, des artisans. Omechalelin otan alma ota omanin. Et ensuite, une fois que tu vas prélever l'argent, tu vas le sortir, tu vas le faire acquérir, tu vas maintenant transférer la kdusha de la bouteille d'huile sur cet argent.
Et alors seulement après, on va donner ces choses-là, la bouteille d'huile, le vin, tu vas la donner maintenant en guise de salaire aux artisans, et après, et on va ensuite revenir l'acquérir maintenant, cette même bouteille de 30 shekels, en prenant l'argent de la tourma de la tourma Tanishka, par laquelle on doit apporter les corbanotes publiques. Le point de mode de discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Nazai est très simple. Il est juste, est-ce que Hekdesh mitralel à la Melacha ou en Hekdesh mitralel à la Melacha? Racheter de la Gdusha, on connaît le système qu'il y a une bouteille d'huile, Kadosh, il y a de l'argent, et je dis, bon, ben, lui, il va devenir la contre-valeur de lui, je rachète la Gdusha. On rachète la Gdusha d'une chose sur une autre chose. La question maintenant, est-ce que je peux racheter la Gdusha sur du travail? Je te dis, je te donne. Est-ce que le Beth Amigdash, il peut prendre une bouteille d'huile, aller voir un artisan et lui dire, travaille, et comme ça, la Gdusha de l'objet, il va être transféré sur ton travail, et comme ça, après, je vais pouvoir te donner la bouteille gratuitement. Si vous faites attention, quand je fais un rachat, je dois avoir deux choses, je prends la Gdusha de l'un, je la transfère sur l'autre. Et là, l'achat, elle est fixée comme ça, elle est comme Benazai, il n'est pas comme Rabbi Akiva. Je prends la Gdusha, je la transfère sur l'autre. Mais là, il me donne quoi en contrepartie? Il me donne son travail, le fruit de ses mains. Il a des mains qui sont en train de travailler, de pétaler du ciment, et de... Il n'y a pas de contre-valeur. Selon Rabbi Akiva, malgré tout, il déduit ça dans Pasuk, « Vassou li migdash, sha melacha naasit mina egdesh. » On peut travailler contre du egdesh. C'est possible. On libère la Gdusha du... Moi, le travail que moi je possède, que je suis capable de fournir, il est à moi. Je décide maintenant que, en contre-valeur de ta bouteille d'huile, je travaille et la bouteille d'huile elle devient la mienne. Je fais un rachat de la bouteille d'huile contre mon travail. Benazai, il te dit, il n'y a rien de concret, il faut que tu apportes quelque chose de concret quand je t'en sors la Gdusha dessus. Du coup, c'est pour ça que selon Rabbi Akiva, la bouteille d'huile, on la donne parce que tu travailles directement. Selon Benazai, non. Parce que tu travailles, il faut prendre l'argent de la tourma Tanishka. L'argent, je l'utilise ensuite pour faire le transfert, et seulement après je te donne la bouteille et je rachète la bouteille d'huile. D'accord? Alors elle est établie comme Benazai, Shanekdesh, Mitra, Lel, Alamelacha. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Etzlacha, Kolkou, Salam.